eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour e et aujourd'hui nous allons parler astuce exploration Alors avant toute chose pour cette vidéo je tiens à remercier Grump donc c'est lui qui m'a expliqué ce que je vais vous expliquer justement pour que le plus grand nombre puisse en profiter donc c'est une technique qui va vous permettre de trouver les étoiles les plus intéressantes dans un secteur donné, donc en utilisant les noms du secteur donc c'est parti ça se passe sur la carte galactique alors cette vidéo je la fais après une autre vidéo que vous aurez plus tard euh, sur les neutrinos. Ouais, J'en parle pas plus, vous verrez par vous-même. C'est que ce truc est tellement énorme en fait que je préfère vous le mettre d'abord. Je pense que c'est plus intéressant. Bon, alors la carte galactique. Bon, vous voyez, il y a plein de points, tout bazar. J'ai découvert certains points grâce à cette technique, donc je vais vous montrer dans un secteur où ça marche très bien. Après, je vous montrerai la différence par rapport aux autres secteurs. Parce que ça dépend en fait de la zone où vous êtes. Donc, dans un secteur comme celui-ci, on va prendre le nom du secteur. Alors, comment on fait C'est simple. Quand vous voyez ça, là, donc Drio, philo, ma chouette, en fait c'est avant les lettres. Donc vous prenez Drio, espace, philo. Bon, jusque-là, rien de spécial. Ensuite vous faites espace, AA-A. C'est le AA-A qui va tout changer. Vous prenez le nom du secteur et AA-A. Et généralement ça va toujours vous amener vers les étoiles les plus intéressantes du secteur. Si le secteur est pourri, évidemment, vous aurez des étoiles pas top. Genre si vous avez que des dennes brunes ou trucs comme ça dans le secteur, vous allez avoir peut-être une géante classe G ou une classe B, enfin des trucs de base quoi. Vous n'allez pas avoir des, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Par contre, si vous êtes dans un secteur où il y a beaucoup de trous noirs, de volfoyettes, etc., il va, vous, il va vous les montrer à la suite, vous allez voir. Alors ça, ça bug un peu, voilà. Donc là, vous voyez, Wolfroyette de classe O. C'est du direct, vous le voyez vous-même. Trou noir. Celui-là, je vais aller le voir. C'est le premier trou noir qui m'a montré dans le secteur. Donc c'est forcément le plus gros du secteur. D'après ce que j'ai compris. Donc attesté à à, à sur place, pardon. J'ai un peu euh, bafouillé. Donc attesté sur place. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Voilà, donc un autre trou noir. Et sans se fouler, hein. on a juste à taper ça et on appuie. Là, c'est une toile blanc-bleu. Le de classe NC. Tournoir. Et je ne fais qu'appuyer sur entrer pour l'instant, limite. Vous voyez, tournoir. Tournoir. Il n'y a pas de trucage. Hein. qu'on est revenu sur cette étoile. Je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'on a fait le tour. Super jante bleu, vous voyez On n'a pas fait le tour en fait. <laughs> Il y en a encore. Etc. Etc. Vous avez compris le principe. Hein. Donc euh, ça vous montre vraiment tout ce qui est le plus intéressant dans le secteur. Maintenant, ça dépend du secteur. Donc là, on va le faire dans le secteur où je me trouve actuellement. Ah oui, vous avez vu, je vais vachement remonter hein, par contre. Hein. Je vais passer au-dessus de Sagittarius à l'aller et au retour par contre, je me mettrai sur le plan galactique par rapport à Sol et j'irai en ligne droite. Pour le retour. Ça évitera de faire yo-yo là, je m'arrête à chaque truc intéressant sur le chemin. Donc, on va faire dans le secteur où on se trouve actuellement. Et vous allez voir la différence. Donc là c'est Aidac. OK. Donc c'est parti. D a, I K et DAC vous voyez après c'est des lettres on s'en fout donc on fait AA-A a -A, et c'est parti ah, c'est une rouge bof le secteur n'est pas top hein, donc forcément on n'a pas de bon truc là j'ai une étoile blanc jaune donc peut-être qu'elle est un, elle sort du lot à voir une rouge faut persévérer un peu. Naine blanche, vous voyez, donc c'est intéressant ça. Elle est perdue au milieu de toutes ces euh, naines brunes. Naine rouge. Blanc jaune. Naine rouge toujours. Le secteur est pauvre. Hein. Moi pour l'instant je fais que croiser les étoiles normales. J'ai une naine brune là, vous voyez. Donc euh, c'est pour vous dire. Hein. Le secteur il n'y a pas grand chose. Jaune orange. Vous voyez, là, le secteur est pas top. Donc, forcément, ben, il me montre les meilleurs. Du... En gros, si vous avez un panier pourri, il va vous montrer les meilleurs des pourris. Si vous avez un panier magnifique, il va vous prendre les meilleurs du magnifique, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et ça marche pour tous les secteurs. Donc, vous mettez le nom du secteur. Et ensuite, eh ben, vous mettez AA-A. Et ça va vous trouver les meilleures étoiles dans le secteur. Voilà. Dans le secteur qui porte ce nom. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial. Parce que ça va me permettre de trouver des trucs vraiment sympatoches hein, au niveau du centre. Donc après ça a testé dans les deux autres secteurs, mais ça a l'air d'être pas dégueulasse, franchement je connaissais pas la technique, donc ça vous ferait une petite technique en plus à mettre dans votre poche. Ça vous sert, tant mieux ça vous sert pas, tant pis, mais au moins vous avez une technique supplémentaire, vous avez une, une solution supplémentaire pour trouver des trucs sympas. Donc je me devais de la partager. C'est vraiment je, je lui ai dit de toute façon je vais faire une vidéo dessus, c'est obligé quoi. Euh, voilà, c'est juste génial le truc. Donc merci à Grump, voilà, c'est lui qui m'a expliqué le bazar. Donc euh bah voilà. Donc comme ça je vous l'explique et vous le connaissez aussi. Donc sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette astuce vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup servi pour trouver euh, des points d'intérêt supplémentaires sur ma route. Et puis, euh, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, portez bien. Ciao.